vừa chọc ông chúng tôi đẹp cả mà to các chấm nạc càng để tệ phí sạm nạc càng được ngày đi ông nhìn đẹp vừa sạm nạc càng sẽ đập thật cam sạ xây xuyên sung mà to bằng chóp vẹp bọn với ông hẹt cả bực rực trong phù cố đào chạy lẹ từ lờ chuyên kiệt ở Việt Nam làm gì sạm nạc cá lúc rồi cả nhà chia siêu khoáng là đi cả vì thành được phía bọt tầm yên bọt tầm yên vị ký nâng bọc cô đây ở nhà đây có hỏi chưa nhà châu rùm được nông cách tầm nạc cá sạm nạc cá ngày này xong group lục thiên xong rạp sạm nạc cá nơi ngày này cả làm gì cả xong qua khơi thả group vị ký tặng ở nơi đang cái đây này miền bọt tầm yên đại lái lục nôn chía miền bọt tầm yên nông bản tốc không khuôn hàng gram xa sạm nạc cá này đại lục sna sôm lẽ băng sắt miên vật miên đại to pi bẩn tục sơn nà kè đi khất lẽ băng sắt rồi vào lục nôn chi ban bạc gold đo làm chi rồi hỏi sạ say đã treo mọc đo khay cam bẩn chập nơi ngày ní cứ lục xuyên sống lục miên vật miên rồi hỏi nơi không bẩn tục sơn nà kè ní nơi ngày ní mình miên sạ say bẩn rong tề sông ao con lục thiên mà ao con cả nhà chỉ sư hoàng chỉ đồ bóng này ông nhớ ra sầm lạnh lừa sầm nào sôm đồ bọc chuẩn chụp chào nôn chi chỉ một tấn ông nhớ bảy bàn đầu tôi lì khát thầm lẽ bằng sắt châu rùm khnông sạm nà ca đại tol khnông một tốp sạm nà ca ni ta bảo chuẩn chụp chọn nôn chia cho thằng ai gì bảo phê bẩm bấy khai tổ la cho năm pi pon đập rắm đại bàn mình chạy tha đại quan miền bành hà sục cập hiệp chư cơ ba chư chừng kẻ mình ai cứ yếu bán mình ai trong ram mình yếu nâng đầm bay miền là tập hiệp châu rùm sạm nà ca ni thay khẳng mộc ở miền bắc sắt tập hiệp khuôn thầm lẽ bằng sắt châu rùm nâng miền bắc tầm miền đại tol khnông một tốp sạm nà ca đại thằng ai gì bảo phê bẩm bấy khai tổ la cho năm pi pon đập rắm บางเคยกำหนดให้เป็นนัดสกปรกจุนจบจอดนุนขี้ได้เพื่อลางในกรุเปิดประจำกาปีนัดเพียบาไทยตอมสกปรกจุนจบจอดเนื้ออวตกอจอดไทยดีมาเพย์บุ๋มใบใครตัวลายชนะวิปนตปรำปานก็ทำกวาดปีสถานเพียบสกปรกระบอกจุนจบจอดนุนขี้ในไทยนี้ถ้ามีนาการะชื่อจังแก่มันอาจยังกุยอยู่บ้านหนึ่งบานพระดานอนุสัทธาสมองยมได้อนุญาตไอ้ลูกนุนขี้โจร่วมตามดานก็จำนาการสัมนาการปีจมง่ายปีบรรทุกขังกรามซาสัมการนี้ไอเลวมูลฐานนี่หนึ่งโยงตามบทบัญญัติในประเทศไปถึงมวยปรามในประเทศไต้ขนองอบตกอองยมเรียอนุญาตไอโลกนุนจีโจร่วมตามนั้นกันจำนาการสามนาการพิจมง่ายพิมันตุบคงครัวมวยทันกรามซาสามนาการนี่ตามระยะอุปกรณ์สตัวสำหรับระยะปีสามนาการเป็นมวยไทยนี่ประกอบไปบกเล็กในสตัวจวบประปอนสตัวสำหรับจนจบจอดนุนจีไอโจร่วมหนึ่งตามนั้นกันจำนาการสามนาการพิจมง่ายขนองระยะปีในกันจำนาการสามนาการสำหรับไทยนี่ជាបន្តតនេះអង្គប្រវត្តិការជួនទៅតំណាងសហពេញាដើម្បីបន្តការតាំងធំរួននេះដល់ចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិហើយសូមបញ្ជាក់ថាតំណាងសហពេញារួមទាំងសហមិត្តវិណមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋអភិនីមានរយៈពេល1វគ្គនៃសកម្មភាពនៅព្រឹកនេះMerci, bonjour Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties. Bonjour à vous Monsieur le Témoin. Hier, nous nous étions quittés lorsque vous étiez en train de détailler ce que vous aviez vu de votre poste d'observation près de la pagode Khmer. Et vous nous aviez dit que vous aviez vuun certain nombre de Vietnamiens être exécutés par des soldats juste à côté de la clôture de cette pagode. Lorsque vous observiez ces exécutions, est-ce que vous avez entendu si les tueurs insultaient ou humiliaient les Vietnamiens avant de les tuer ? អត់លើEst-ce que les victimes étaient systématiquement balancées dans la fosse après avoir été exécutées ou bien certaines étaient laissées au bord de la fosse? សាកសពខ្លះនោះគេទុកចោលនៅមាត់រណ្ដៅមិនបោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅទេគេបោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅPouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu spécifiquement en relation avec
Niri Chanta, son exécution. Pourriez-vous nous expliquer comment s'est passée son exécution? C'est la dame dont vous aviez parlé hier qui faisait partie de votre unité mobile et que vous avez décrite comme étant vietnamienne. ពេលគេមិនដើរចេញមកគេហៅឈ្មោះចន្ទថាខ្ញុំក៏តាមមើលឃើញទៅដល់រណ្ដៅសម្លាប់គេក៏អត់ទឿនសម្លាប់ គេ យក ចេញ ពី រំដៅ នៅ ចម្ងាយ ប្រហែល ជា 10 ម៉ែត្រ ក៏ គេ នឹង ធ្វើ តរណកម្ម លើក ជើង សាង ខាង ពាក លើ ក្បាល ដើម្បី វះ យក ប្រមាត ទៅ ដាក់ ក្នុង កទិន ស្រា ចែក គ្នា ផឹក Et par la suite, est-ce qu'ils l'ont traîné et jeté dans la fosse avec les autres? Est-ce que c'est la seule victime que vous avez vue être éventrée pour retirer la vésicule biliaire ou bien y en avait-il d'autres? D'après ce que vous avez entendu de ces événements, est-ce que vous savez pourquoi les soldats ont retiré la vésicule biliaire de cette femme pour ensuite le placer dans un dans l'alcool et le boire? À propos de Chanta, hier vous aviez dit qu'elle était vietnamienne et en répondant à mes questions, vous avez répondu également que vous saviez que les grands-parents étaient vietnamiens. Ensuite, vous m'avez dit qu'on pouvait reconnaître qu'elle était vietnamienne à ses traits physiques. J'ai plusieurs questions à ce propos. Tout d'abord, lorsque vous travailliez dans l'unité mobile, est-ce que vous-même vous saviez que Chanta était vietnamienne? Est-ce qu'elle vous en avait parlé, par exemple? Est-ce que c'était connu dans le village que cette famille était une famille vietnamienne? Tout le monde le savait. Et est-ce que vous pourriez décrire les traits physiques qui caractérisaient les Vietnamiens? Comment est-ce qu'on pouvait reconnaître que Chanta était une Vietnamienne? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Chanta était une Vietnamienne. Depuis 2000 ans, 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 depuis
Est-ce que vous confirmez que dans ce village de Ying, il n'y avait que cette famille-là qui avait été amenée à la pagode de Ksa à ce moment-là, juste avant les exécutions? Alors j'en viens au nombre de Vietnamiens qui ont été tués ce soir-là. Lorsque vous étiez en train d'observer ces événements, vous nous avez dit que vous étiez resté à peu près une heure sur place. Combien à peu près de personnes avez-vous vu exécutées? Thank you, Mr. President. I object to this question. It's only this witness who claims that Chanta is Vietnamese, but the side of Chanta, he doesn't know that the people that he said he saw being executed were Vietnamese. He guessed it. So that's something obviously that has to be established. So I don't think the prosecution can ask the question or talk about the alleged victims as Vietnamese because he doesn't know and he's in no position to know. He wasn't involved in the arrest. He doesn't even know about the list. So just to pretend that the massacre he said he saw involved Vietnamese is too many steps too far. Monsieur le Président, si je peux répondre, il n'y a pas qu'un seul témoin sur ces événements. Il y en a trois qui disent tous qu'il s'agissait de Vietnamiens. Deuxièmement, hier, cela a été établi par le fait que le témoin a bien clairement expliqué que pour les victimes qui arrivaient sur le lieu d'exécution, on leur demandait s'ils étaient Vietnamiens ou Chinois. Il a expliqué que les Chinois avaient été épargnés, les Vietnamiens avaient été exécutés. Donc je pense que je peux formuler la question telle que je l'ai formulée sans qu'il y ait matière à discussion. If I may quickly respond, Mr. President, his friend who was allegedly also present never heard the alleged killers ask the question whether the victims were Vietnamese or Chinese. So it's just him and another witness talking about a family of Hong and someone else. There are 500 or 600 Vietnamese victims in Hong Kong.
បាទអសក្តីជំទាស់របស់លោកមេធាវីវិទ្យាកុពេមានមូលហេតុសំត្របពីព្រោះមិនទាន់មានការឆ្លើយបញ្ជាក់របស់សាក់សីឲ្យបានជាក់ច្បាស់អំពីជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលរងការកាប់សម្លាប់នៅពេលនោះជាជនជាតិវៀតណាមច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ះសិនបើទាំងសួរដូចនេះតើសួរបញ្ជាក់ឲ្យបានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលមិនបញ្ជាក់ថា ជនរងគ្រោះនោះគឺសត្វតែជនជាតិវៀតណាមបើពុំដូច្នោះទេគឺភាគីដទៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះគឺអាចសួរតែត្រឹមកម្រិតជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះមិនអាចសួរដល់បច្ចៈច្បាស់ថាជនរងគ្រោះដែលទទួលរងនោះសត្វតែជនជាតិវៀតណាមតែម្ដងដូច្នេះបានទេអញ្ចឹងខាងសហប្រជាជាតិរៀបចំសំណួរសារជាថ្មីម្ដងទៀត Merci, Monsieur le Président. Concernant le nombre approximatif de victimes que vous avez vu vous-même être tués par les soldats à proximité de cette pagode de Ksa ce soir-là, êtes-vous en mesure de donner une estimation du nombre de personnes que vous avez vu être tuées? Merci. Vous avez donné en fait des chiffres légèrement différents. À quelques reprises aux enquêteurs des juges d'instruction. Donc, je vais vous demander simplement de clarifier si vous en êtes capable, bien entendu. Donc, dans un premier procès verbal, E3-9335, à la page 4 en français, 4 en anglais et 3 en khmer, vous avez dit que... Vous avez dit la chose suivante, je cite, « Pour cela, j'ai mis environ plus d'une heure pendant laquelle, à mon estimation, les Khmer Rouges ont exécuté environ de 70 à 80 personnes. » Dans un autre procès verbal, E3-7890, à la page 2 en français et en anglais, et à la page 3 en Khmer, vous avez dit avoir vu plus de 100 personnes avoir été exécutées par 12 jeunes soldats Khmer Rouge. Aujourd'hui, vous nous dites 50 à 60 personnes. Est-ce que, en réalité, vous nous donnez juste une approximation? Est-ce que vous pouvez clarifier ce nombre? No objection, but I think Je m'oppose fermement à cette objection. Maître Copé confond absolument deux choses. Il y a le nombre de victimes que le témoin a vu personnellement le soir même, tandis que les 600 ou 700 personnes et pas 500 ou 600, il s'agit du nombre total de victimes. En ce compris d'autres fosses, etc., qu'il a pu voir par la suite. Donc il faut, je crois, ne pas confondre les deux choses. Et donc je vais y aller par étapes et on reviendra sur le nombre total par la suite. ខ្ញុំនឹងសួរអំពីចំនួនជនរងគ្រោះសរុបនេះនៅពេលក្រោយទៀតមិញខាងមេធាវីការពារក្តីគាត់ក៏តំកល់ទេលោករៀបចំសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយពេលនេះគឺសួរទៅសាក់សីចំពោះមុខហើយអ្វីដែលវាមានលទ្ធភាពខុសគ្នាឬក៏វាផ្ទុយគ្នារវាងចម្លើយដែលផ្ដល់សក្តិកម្មការពារនៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះគឺអាចសួរដេញដោលនៅពេលនេះពីពួកមានវត្តមានសាក់សីហើយ
C'est bien ça que je comptais faire, monsieur le président. Alors, je répète encore une fois cette question. Pouvez-vous nous expliquer ou clarifier le nombre approximatif, je comprends bien que vous ne pouvez pas le donner au chiffre près, de victimes que vous avez vues ce soir-là être exécutées pendant l'heure ou à peu près l'heure où vous êtes resté sur place? Vous avez dit 50 à 60, 70, 80 ou plus de 100 personnes? ខ្ញុំនៅមើលចំនួនប្រហែលមួយម៉ោងពីដូចយូរដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអានេះយើងកាក់ស្មានថាពី6ទៅ7ទៅ8តែប៉ុណ្ណោះបាទពួកយើងអត់បានរាប់គឺស្មានMerci. Au moment où vous avez quitté votre poste d'observation, est-ce que les exécutions étaient terminées ou bien est-ce qu'elles se poursuivaient encore? នៅតែបន្តconcernant la provenance des victimes, je voudrais lire un extrait de ce que vous avez dit au juge d'instruction dans le procès verbal E3/9.3.5. Donc vous avez parlé de la famille de Chanta, de votre village, et vous avez dit, c'est à la page 2, je crois, dans toutes les langues, c'est la deuxième réponse de ce procès-verbal. Vous avez dit ceci. Ils ont été mobilisés des différents villages, pardon, je reprends au début, les Vietnamiens, ont été transportés par charrette à bœufs et regroupés dans la pagode de Ksa. Ils ont été mobilisés des différents villages et communes du district de Chikreng. Je me rappelle bien qu'à l'époque, il y avait aussi les Vietnamiens transportés du village de Crevel, situé également dans la commune de Sang Voe. Je le savais car mon unité mobile est aussi venue s'installer près de cette pagode. Fin de citation. Comment avez-vous su qu'il y avait, selon ce que vous avez dit, des Vietnamiens qui venaient du village de Crevel? Comment l'avez-vous appris? D'accord. Alors, à part les gens que vous avez vus être exécutés, les gens que vous avez personnellement vus être exécutés, avez-vous appris à peu près combien de personnes avaient été détenues temporairement dans cette pagode avant d'être exécutées? ខ្សាច់នេះមុននឹងយកទៅសម្លាប់ចោលប្រនៅក្នុងវត្តនោះគេយកទៅដាក់ក្នុងហោត្រៃឥឡូវខ្ញុំស្មានប្រហែលជា300ទៅ400នាក់នៅក្នុងហោត្រៃ Et sur quels éléments vous êtes-vous basé pour estimer ce chiffre de 600 à 700 personnes?
lấy trên vào mùi rơi từng pơ rơi nát và thân chỉ sạc xây chơi tại bấy rơi từ buồn rơi nẹp nọ Tout à fait, mais en interprétation française, je crois que j'ai entendu 600 à 700 personnes. Donc je vais revenir sur ce chiffre. Est-ce que vous aviez dit 300 à 400 personnes ou 600 à 700 personnes? Bien, et sur quels éléments vous basez-vous pour faire cette estimation? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre qui vous a permis de faire cette estimation? Le soir de l'exécution, quelle était la taille de la fosse où étaient basculées les victimes que vous avez vues être exécutées? Est-ce que vous pouvez savoir à peu près quelle était la dimension de cette fosse et nous dire si c'était profond ou pas? Tung, pramite, bandai pramite, chimru, baymite. Est-ce que dans les jours qui ont suivi l'exécution, les personnes que vous avez vues, est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner dans autour de la pagode de Ksa? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu exactement, soit dans l'enceinte de la pagode, soit autour de cette enceinte? D'abord, qu'est-ce que vous avez remarqué à l'extérieur de l'enceinte? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez vu à ce moment-là? Merci. Est-ce que vous avez vu à ce moment-là une autre fosse que celle que vous aviez vue le soir de l'exécution, des exécutions que vous avez pu observer? D'accord, là je parlais du moment où vous êtes retourné voir autour de la pagode. Est-ce que vous avez vu d'autres fosses ou bien vous n'avez vu que la fosse où avaient été exécutés les gens que vous avez vus?
dont vous nous dites qu'elle avait été recouverte. Est-ce qu'il y avait d'autres fosses en plus de celle-là? Merci. Et comment avez-vous su que dans le puits, dans cette autre fosse, il y avait, selon ce que vous dites, qu'elles avaient également servi pour enterrer des personnes exécutées? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était des fosses qui avaient servi et le puits également à cela? Et dans ce puits, cette fosse qui était à l'extérieur de la pagode, est-ce que vous avez vu des cadavres? Alors, une petite clarification concernant le temps que vous avez passé sur place à observer les exécutions. On comprend bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de monde, mais vous avez donné deux versions différentes. Je voudrais que vous nous expliquiez quelle est votre meilleure estimation. Dans un premier procès-verbal, E3-3-9-3-3-5, la page 4 en anglais et en français, et 3 en khmer. La question vous est posée de savoir combien d'heures vous avez épié l'exécution de ces Vietnamiens. Et vous avez répondu, pour cela, j'ai mis environ plus d'une heure. Et dans le deuxième procès verbal, E3-7-8-9-0, à la page 2, dans toutes les langues, il est dit ceci, je cite, « J'ai assisté en cachette à l'exécution qui a commencé sans doute à 9h du soir pour se terminer à minuit. » Et vous précisez un peu plus loin que c'était donc pendant 3 heures. Est-ce que vous pourriez clarifier exactement cette période, dans la mesure où vous pouvez vraiment le faire? Vous avez dit plus d'une heure, vous avez dit 3 heures. De quoi vous vous souvenez exactement et comment avez-vous pu mesurer ce temps? Est-ce qu'à la pagode de Ksa, quand vous êtes rendu sur place, vous avez été entendu par des enquêteurs, des juges d'instruction, vous leur avez montré les différentes fosses
tout cas, l'endroit où vous avez observé les exécutions, l'endroit où les exécutions ont eu lieu, ainsi qu'une autre fosse. Merci. Simplement pour terminer, est-ce que les enquêteurs vous ont montré les photos qu'ils ont prises de vous lorsque vous leur montriez tous ces endroits? Merci. Juste pour terminer, avant de céder la parole au parti civil, je voudrais, pour permettre l'authentification de ces photos, Monsieur le Président, montrer quatre photos qui sont annexées au rapport de localisation géographique établi par le bureau des juges d'instruction qui porte la cote E3-80-49, je crois. Et en français, ce sont les pages 13 à 16, en anglais, pages 12 à 15, en khmer, pages 12 à 15 également. C'est un rapport de localisation géographique concernant la pagode de Ksa. Avec votre autorisation, je voudrais simplement remettre ces quatre photos à monsieur le témoin pour voir s'il se reconnaît sur ces photos. J'entends que le témoin dit qu'il ne peut pas voir clairement. Je ne sais pas si il aurait besoin de lunettes. En tout cas, il y a quatre photos pour le besoin de la transcription qui portent des légendes concernant la visite des lieux
avec le témoin Sing Sung montrant différents lieux. La première photo montre un endroit où, selon les juges d'instruction, les marqués 150 personnes ont été exécutées. Le deuxième endroit montre le témoin Singh à son poste d'observation lors des exécutions, à environ 40 mètres. La troisième photo porte la légende suivante, le lieu des exécutions vu du poste d'observation. Et enfin, la quatrième photo est celle où Singh montre l'endroit où il a trouvé environ 50 corps quand il est revenu sur les lieux quelques jours plus tard. Est-ce que vous ne voyez pas du tout, monsieur le témoin? Il y a une personne avec une chemise jaune, en tout cas sur la première et la dernière photo, qui montre des endroits. Est-ce que vous arrivez à reconnaître si c'est vous ou pas? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Je voudrais céder la parole au participant. តំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីមានឱកាសសួរដេញដោលចំពោះសាក់សៃរំនេះ អង្គការអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីហុងកំទួនជាអ្នកបង្ហាញសូមគោរពលោកប្រធានសូមលោកគោរពលោកចៅក្រមលោកស្រីចៅក្រមជាទីគោរពខ្ញុំបាទហុងកំសួនជាមេធាវីមកពីអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាមេធាវីតំណាងដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គពីនេះសូមជម្រាបសួរលោកសៀនសុងខ្ញុំមានសំណួរមិនច្រើនទេដោយសារ ខាងសហប្រជាជាតិលោកបានសួរតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងវត្តខ្សាច់ដដែលទេគ្រាន់តែមានការលម្អិតខ្លះខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់នារីឈ្មោះចន្ទថាដែលលោកបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះបាញ់មិញតែថាគេស្គាល់គាត់ថាជាជនជាតិវៀតណាមនោះមិញលោកបានជម្រាបអង្គសវនាការអំពីការសម្លាប់ថា មុនសម្លាប់គឺគេយកចេញពីកន្លែងរំដៅសម្លាប់ប្រហែល10ម៉ែត្ររួចហើយយកជើងដាក់ពាក់ទៅលើក្បាលទៅវះពោះយកប្រមាទសំណួរខ្ញុំសួរថាមុននឹងសម្លាប់នារីចន្ទថាតើពួកពេជ្ឈឃាតទាំងអស់នោះមានសម្រាប់ក៏អាននារីចន្ទថាដែរឬទេ អត់មើលទៅឃើញនៅសំលៀកទាំងអស់ដល់សមគុណនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកជម្រាបជូនអង្គសាវនាការពីម្សិលមិញនិងព្រឹកមិញនេះអំពីនារីចន្ទថាដែលរស់នៅក្នុងភូមិយាងមានតាជីដូនជីតាជាជនជាតិវៀតណាមដែលថាអ្នកភូមិគេស្គាល់ទាំងអស់ ចូលលោកដឹងទេថាពុកម្ដាយនារីចន្ទថានឹងស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេអត់ដឹងបាទសូមអរគុណតើតើជាមួយនឹងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមដដែលទេ ការសម្លាប់កុមារព្រោះតាមចម្លើយរបស់លោកថាមានសម្លាប់ទាំងគ្រួសារទាំងគ្រួសារខ្ញុំសួរឲ្យដល់តែម្ដងព្រោះលោកបាននិយាយច្រើនហើយថាតើការសម្លាប់កុមាររបៀបសម្លាប់នៅពេលដែលលោកលបមើលនោះសម្លាប់របៀបមនុស្សចាស់ឬសម្លាប់បែបម៉េចលោកអាចនិយាយបានតិចទេ
an toàn lại top kì sầm lập nó chun cả kì vô từ đó kì vi ấy nâng nằm bò chun cả kì lược bỏ lăng lơ tâm liệt chôn lại bà sầm bạc quân à sầm nuôi được nhâm suốt tẹt tôn của má mình tẹt tôn chỉ mới nâng tiếu ruộng bạn mới nhầm suông pi của má khiêm trang suy thật ta ca sầm lạp của má miền pu trung việt pu yoga mát đôi mình nuôi chặt đại tế ọt miền bà sô mạc quân nô khung chấm nâu chôn ruộng kêu đại lục ban chấm liệp ông sáu na ca tha yup nô phá hai chi sầm lạp ha sập tờ hốc sập nẹn nô ta miền ca rụm lô phao phê tờ lơ sợ trái chôn rung cửa môn xâm lạp đại tế. Ất miền. Bà xô mạc quân. Xâm lưu mươi tiện. Lúc ban chụp liếp ông xa vana ca rưỡi hai ông phi thạc ca xâm lạp chôn rung cửa môn ban chọn múc rưu chọn đại tế. Hay dô tiền cửa xa tàu vi xâm lạp. Nẹ đại trâu ban xâm lạp môn. Hai nẹ đại mình toàn xâm lạp, ta nâu chụp mùi khí nê rư nâu chụp khí nê đại lửa tê. Trong này, nẹ đại kì dâu tơ xâm lạp kì nâu chngai bì khí nê. Tersemakun. Tamin kruasa kelak yang mensu tengah te, ban melkun ka semlap sajni terbah ke petual penaik date. Terang naik otdang. Tersemakun. Semnu mitir suatha noknong ai kesa. Di meroy mapay pram selah cat seperambun. Noknong tempuati. Di bay jipisah kemai. Sipisa angkle aja tempoh pi, lebih baik yang mensop coba angkle. Teluk ban celai jemui neng kang sep angkit tetong nol pasam tu tetong jemui neng pertien pum cimu. Tak soy, daikat ni jeitha. Kata tuan benci pitna le samlap jenjit Vietnam tenglu. Jeng khong nay ni. Ta lúc bàn lưu bì bà thiên phùm để dịp toa lưu kê thà. Bê lưu nô. Lúc, không bao bàn toàn xoay to, xa xấy, xong chơi lưu mà dịp bình tờ cục bế. I object. This is a leading question. You never spoke before, but the village chief, I think, council should have started with no question about who the village chief was, what his knowledge was, etc. Now he just leads him directly to his previous answer. So I object to the question. Bà xong chia lại top. Để xa nó khăn ông ai cái xa interface này miễn đại ai cái xa rưỡi hái. Hay lục bật thiên của ban xua tạo xa xây rưỡi hái thả. Môn đừng mọc trái tính lục ban an ai cái xa tạo ngó nó hái nâu. Chẳng khi bạn mình lược xua xa nua đã đai làng vinh tế khiêm kết thả quạt ban an rưỡi hái tức khiêm chọt vô tay chấm lọc mà xua. Thì mỗi mê tử ví ai ăn vọt tàm mà vậy đại dương bàn phương ở tỉ ní cứ prap lê
EON ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ មិន មែន លាវ ទំព័រ ត្រុស ត្រុស អញ្ចឹង ទេ ទី 2 គឺ សង្ខេប មិន ឲ្យ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ខ្លឹមសារ ដែល បាន សរសេរ នៅ ក្នុង កំណត់ ហេតុ ទេ ហើយ ការ សួរ គឺ ត្រូវ តាំង សំណួរ ជា មុន សិន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ ដឹង របស់ សាក្សី ហើយ ប្រសិន បើ មាន ការ ឆ្លើយ ខុស គ្នា នោះ ទើប យក ការ អាន ការ ដក ស្រង់ ពី កំណត់ ហេតុ យក មក សួរ ដើម្បី ផ្គូ ផ្គង រវាង ចម្លើយ ដែល គាត់ បាន ឆ្លើយ រួច ហើយ នឹង ការ គាត់ ឆ្លើយ ពី មុន អង្គ ជំរះ បាន ណែ នាំ រួច ហើយ សូម មើល ការ ណែ នាំ ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ ហើយ គេ មើល ជា និច ដើម្បី ឲ្យ ការ ប្របត្តិ ការ ទៅ បាន រលូន ល្អ បាទសូមអរគុណលោកប្រធាននៅក្នុងឯកសារ E3/93/95 ជាភាសាខ្មែរហើយឯកសារ E3/93/95នឹងភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងដូចគ្នាហើយជាភាសាខ្មែរមាន ERN 00/26/74/78 ជាភាសាខ្មែរ ERN ជាភាសាអង់គ្លេស 002/72/77 ជាភាសាបារាំង ERN 00384372 អត្តសញ្ញាណឯកសារដូចមិនត្រូវទេដូចមិនមាន9395ទេដូចមាន9335ទេវាច្រឡំទេហ្នឹងមើលបញ្ជាក់ឡើងវិញមើល ខ្ញុំបានថតចម្លងចេញពីសំណុំរឿងមកគឺ E3/93/95 ជាភាសាខ្មែរ ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស ដូចគ្នា ជ័យថាប្រញ្ញារង អន្តរជាតិ Merci juste pour aider à clarifier Les numéros de page, c'est dans, aux pages 4 dans les trois langues, en français, en anglais et en khmer. Document E3/9/335. ចុងក្រោយលោកសាក់សីសំណួរដែលខ្ញុំសួរនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារដែលលោកពលាញ្ញាលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះតើលោកបានដឹងអំពីការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមពីប្រធានភូមិតើប្រធានភូមិនោះឈ្មោះអ្វី ដែលមានដែលលោកដឹងពីប្រធានភូមិនោះតើនិយាយផ្ទាល់ឬក៏លោកដឹងឮតាមគេ មិនតាក់ទងមិនធ្លាប់ឈ្មោះប្រធានភូមិទេ ឆ្លើយអត់មានក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការ ស្មើនឹងអត់ឆ្លើយ រៀបចំសំណួរថាជាថ្មីម្ដងទៀត ខ្ញុំសួរសំណួរសារឡើងវិញតើលោកបានដឹងព័ត៌មានអំពីការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមពីប្រធានភូមិឈ្មោះអី ឈ្មោះសយ
តើព័ត៌មានដែលលោកដឹងពីប្រធានភូមិនោះដឹងឮដោយផ្ទាល់ឬតាមគេ គាត់និយាយសំលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលតើគាត់បាននិយាយប្រាប់លោកយ៉ាងម៉េចលោកនឹងចាំបានប៉ុណ្ណាសូមនិយាយប៉ុណ្ណោះចាស់បាន ព្រោះយូរជាហើយខ្ញុំភ្លេចដូចយូរឆ្នាំខ្ញុំសូមអានឯកសារដែលលោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឯកសារដដែលនេះបន្តិចតែមួយវគ្គទេតាមខ្ញុំដឹងប្រធានភូមិថាទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើ Again, I object to this question, Mr. President, what precisely was the chief said to him? As to orders. And then slowly, down the line, all of a sudden, we speak about the village chief. The witness is giving an answer, and now we're moving to sort of chain of command, line of questioning. It doesn't really make sense, and I don't think it's an appropriate line of questioning. So I object. ខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយតបទៅលោកវិញខ្ញុំបាទបានសួរអំពីការដឹងឬបានឮផ្ទាល់អញ្ចឹងសាកសួរបានឆ្លើយរួចហើយគាត់បានឮផ្ទាល់ពីប្រធានភូមិអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីថាតើប្រធានភូមិបានប្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះសិស្សជាសំណួរបន្តបន្តគ្នាលោកប្រធានបាទលោករៀបចំសំណួរធាថ្មីទៅដូចជារបាក់ស្ដាប់ដែរវាថាខ្មែរក៏កម្រិតរបាក់ស្ដាប់ដែរ ហើយកម្រិតតុលាការនេះគឺតុលាការកូនកាត់អន្តរជាតិគួរតែរៀបចំសំណួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ច្បាស់ជាក់លាក់ទៅហើយវាប្រសើរជាងរៀបចំឡើងវិញមើលសំណួរមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហើយបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរសាធិថ្មីឡើងវិញកំបញ្ញមិញលោកបានឆ្លើយរួចហើយថាដឹងឮផ្ទាល់ពីប្រធានភូមិស្រីអំពីការសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាម ដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើលោកបានស្ដាប់បានឮគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចលោកថាយូរដែរហើយគាត់មិនសូវចាំទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអាននៅចម្លើយរបស់គាត់នេះថាតើគាត់ទទួលស្គាល់ចម្លើយរបស់គាត់ឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរថាការអានរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនៅចម្លើយរបស់គាត់ថាតាមខ្ញុំដឹងប្រធានភូមិថាទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងថាជាបញ្ជាមកពីថ្នាក់ស្រុកឬថ្នាក់ណានោះទេ តើគាត់នៅទទួលស្គាល់ឬបដិសេធនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរចុងក្រោយពិតមែនបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអស់យោបល់អស់សំណួរប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសំត្រប់សម្រាប់ហើយឲ្យវាប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង10:30សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដនការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសរុបរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដនការនេះនៅវេលាម៉ោង10:30នាទីសម្រាប់ចុះ